Tu repars à l'endroit. Dis-moi. Comment tu t'appelles? Jeanne, tu peux pas me dire ça? Nature, tu as la bosse. Même pas vu. Café? Я во Франции уже 7-й месяц, а тут работаю почти 5-й месяц. И, ну, конечно, тяжело поначалу, вообще тяжелее всю кню. Общение помогает, конечно, скучаю по дому. Трудности с детьми, вот дети в школу устроилась. Все нормально. Надеюсь, что все уладится. Au début, je faisais la tournée du pain. Je suis allé à l'église qui est derrière là. Et dans l'église, j'ai vu une petite étiquette où il y avait marqué cherche bénévole. Comme j'étais peu disponible, c'était juste le dimanche soir à 7h30, chercher du pain. Donc je suis allé chercher le pain. Et puis après, quand j'ai fait ma tournée du pain, ben, je restais pour aller la distribuer. Et un jour, j'ai sorti l'harmonica. Et Georges, le responsable, il m'a dit, Dominique, continue à faire de la musique, ça fait du bien. Parce qu'il y avait beaucoup de monde, il y avait beaucoup de tension. Et comme la musique adoucit les mœurs, il m'a dit, fais de la musique. Et maintenant, je ne distribue pas. Moi, je distribue de la musique. Chacun croit à qui il veut, chacun prend sa force où il veut, mais la seule chose qui nous unit, la seule chose qui est l'intérêt central, c'est de prendre le pain, c'est de distribuer le pain, c'est de faire les collectes. Alors c'est comme ça qu'on a des musulmans, il y a des maghrébins, il y a des tchétchènes, il y a des français. Parce que moi, depuis tout petit, j'ai toujours partagé, comme la plupart des Africains, hein. J'ai toujours partagé ma nourriture, j'ai toujours partagé ma petite chambre que j'avais avec les amis. Donc j'ai toujours été entouré, j'ai toujours partagé, j'ai toujours apporté. Так как нет ни денег, ни бумаг никаких, ни работы, это очень из ситуации выходит. Спасибо.